cette fois sur Multido, tu vas assister à une véritable épreuve de force alimentaire rouge et bleu. Voyons qui est le plus cool. Je pense que l'important, c'est les bons goûts. Qu'est-ce qui se passe? Oui. What? Je sais pas encore. Ça ressemble à un petit ventilateur bleu. Et il y a une sorte de bouton dessus. Je me demande ce qu'il faut faire. Oh, waouh! C'est cool. Awesome. C'est en train de pulvériser quelque chose de très savoureux. Oh, ce truc a vraiment bon goût. Je pensais pas que le goût serait aussi bon. En plus, ça tourne. Je peux donc l'utiliser comme un vrai ventilateur. Pour l'usage auquel il est destiné. Alors, t'aimes bien? Oui. C'est très rafraîchissant. T'en veux? Oui, vas-y. Oui. Bon, tu peux faire encore. Non, c'est assez. Non, j'entends rien. Quoi? Non. Non, je vais m'envoler. Oh, désolé. J'ai un peu exagéré. Au moins, tu sais déjà ce qu'il y a sous ton couvercle. Je sais, mais je ne suis pas du tout heureuse. Parce que ce sont des bonbons très épicés. Pour une raison quelconque, je n'ai pas du tout envie de les manger. Mais j'en ai besoin. Alors, mange. D'accord. Je pensais que tu étais mon ami. Donc, tu vas me soutenir. Et toi? Ah non, c'est trop épicé. Je ne peux pas le supporter. Je ne veux rien manger. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Mais ce sont les règles. Tu dois manger ce bonbon. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que je suis déjà en feu. Oh non! Oh, quelle erreur! Quoi faire? Quoi faire? Je dois sauver le moniteur. J'espère que le ventilateur va m'aider. Oui, ça a vraiment aidé. Merci. Je n'ai jamais pensé que je devrais brûler comme ça. Mais tu m'as sauvé. Merci encore. On vous rend dans 3, 2, 1. C'est parti! Il semble que j'ai quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et j'ai des yeux de marmelade. Ce n'est pas assez rare, mais c'est aussi très cool et délicieux. J'ai une tête vraiment bizarre. Sur un bâton bizarre. Mais ça a quand même bon goût. Fantastique! Oh! J'ai encore une sorte de... Non, c'est bizarre ça. J'espère que c'est bon. Alors, c'est bon? Non, c'est affreux. Non, c'est acide. C'est vraiment si désagréable. Hé, Marie, t'es vivante? Je pense que le truc était vraiment acide. Peu importe. Tant qu'elle est acide ici, je mangerai mes yeux. What? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me suis endormie pendant une seconde. T'as gelé de façon si drôle. Comme une statue. Ah oui, t'es drôle? Alors tu ferais mieux d'aider ton ami. Oh, c'est dans mes yeux. Désolée. Je ne voulais pas. Voilà ce que t'as fait. C'est affreux. Désolée. Allez, c'est juste une farce avec des yeux engelés. Je ne pense pas que ton spray m'aurait fait faire des yeux de biche. Tes yeux sont délicieux d'ailleurs. Et il y a un sirop rouge à l'intérieur. Ça donne à mes yeux un goût particulier. Ah oui, je peux en faire sortir les gonds spéciales quand j'arrose tes yeux de mon sirop. Ce serait vraiment cool ça. Voyons comment tu aimes ces yeux aigres. C'est tellement bon! Je n'ai jamais goûté quelque chose de si bon dans ma vie. Oh! Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je pense que mon sirop a fonctionné sur toi. Pas toi. T'as ruiné mes goodies. Et tu m'as fait me cogner la tête. En fait, ça fait vraiment mal. J'espère que quelque chose de cool m'attendra aussi cette fois-ci. Awesome! Oh, wow! Regarde ce crocodile. Je me demande s'il mord. Je ne sais pas. Oh, ça fait mal. Quel méchant crocodile. C'est tout mon nez qui me fait mal. Oh, quelle chose dangereuse. Oh, je pense qu'il y a quelque chose de savoureux ici. C'est vrai. C'est une sucette. Cool. D'ailleurs, ça a un goût plutôt bon. D'accord, je vais pardonner au crocodile. Tant qu'il ne meurt pas à nouveau. En attendant, je vais manger cette sucette. Eh bien, c'était rapide. Maintenant, Monica peut ouvrir son couvercle.
C'est vrai. Oh, waouh! Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une saucisse douce. Tu ne l'as jamais goûtée auparavant? Non, je ne l'ai pas fait. C'est dommage parce que c'est vraiment bon. Waouh! Je n'ai jamais goûté quelque chose de si bon non plus. Est-ce que c'est bon? Laisse-moi en essayer. Juste une bouchée. Pas question, je ne peux pas en avoir assez. Il peut être utilisé comme accessoire d'ailleurs. Par exemple, cette moustache ferait une super moustache. Ah ouais, c'est génial. Cool et délicieux. Je pense savoir qui peut me dévoiler un peu de ce délice à Monica. Crocodile! Il est temps de partir en guerre. Quel garçon intelligent! Monica n'a même pas remarqué. Ainsi, nous pourrons en voler d'autres. C'est aussi facile que de voler des bonbons, hein, bébé. Je pensais que ce serait beaucoup plus difficile. Oh, comme c'est bon! Oh, c'est où le reste de ma saucisse? Ah, c'est Marie! C'est ce que j'ai pensé. Voyons comment tu aimes que la saucisse soit épicée! Oh, cette saucisse est délicieuse! Je souhaite que personne ne le vole! C'est tellement beau! Naïve, elle pense que personne ne veut vraiment lui voler sa saucisse! Cela ne prendra qu'une minute pour moi! Pas pour moi, mais pour mon crocodile. Oh, j'adore. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est épicé! Oh my God! Alors, quel goût a ça? La prochaine fois, tu sauras comment voler ton ami. Ce n'est pas juste, c'était dangereux pour ma santé. Ouvre. Yay! Ce sont mes bonbons longs préférés. C'est si frais et délicieux. Et les garnitures intérieures sont tellement cool. Sauf que ce bonbon est un peu dur. Je ne peux pas en prendre une bouchée. Ah! Alors, c'est bon? Je voulais que ça ait bon goût. Pas que ça fasse mal. Marie, ouvre ton couvercle pour l'instant. Oh, waouh! C'est manifestement une sorte de boisson délicieuse. Je vais même m'habiller comme le personnage sur la bouteille. Je pense que c'est un vrai cocktail de pirate. Il faut donc porter de la bonne tenue pour le boire. Vas-y. Oh, ça a l'air délicieux en fait. C'est aussi bon que le coca peut-être. C'est encore mieux. Laisse-moi en prendre une gorgée, juste un peu. Tiens. Oh. Oh wow. C'est vraiment bon. Encore. Non, tu n'auras rien d'autre. J'ai moi-même très soif. En plus, c'est tellement joli. Et j'ai une belle paille bleue. Waouh! J'aimerais tellement essayer. C'est vrai, j'ai une idée géniale. Personne ne m'empêcherait d'essayer cette boisson si je la buvais aussi avec une paille. Je le ferai très discrètement. Je suis si contente d'avoir eu ce bonbon. C'est très pratique. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Éloigne-toi de mon miam miam. Laisse-moi juste le finir en première, d'accord? Comment tu fais? Et voilà, il n'y a pas de cocktail et pas de paille. Wow, c'est très bien. Comment c'est? Il ne me reste plus rien du tout. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, mais c'est délicieux. Il y a toujours des challenges cool et inhabituels comme celui-ci sur Multido. Assure-toi de t'abonner pour ne rien manquer. À bientôt!